Simone Eve Babo va prendre la parole. Je souhaite qu'on salue le doyen Samuel Harding qui est venu donc la soutenir. Merci d'être venu, cher doyen. Mesdames et messieurs, je voudrais en tout premier lieu, à notre nom à tous et à mon nom personnel, qu'on salue le roi, sa majesté, Nana Kakou Miesan, venant roi de Benoît, de même que toute sa cour. Je suis sûr qu'il est très attentif à ce qui se déroule ici et que chaque mot qui a été prononcé, qui va prononcer ici, va tomber dans ses oreilles. Monsieur le représentant du maire, mesdames, madame et messieurs les ministres, honorables députés, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, mesdames les membres de la plateforme politique des femmes candidates, mesdames et messieurs les membres des organisations de défense des droits de l'homme, mesdames et messieurs les membres de la société civile, messieurs les pasteurs et hommes de Dieu, vous êtes venus très nombreux, je voudrais vous saluer. Honorables invités, vaillante population du Sud Komoué, vaillante population de Benoît, chers frères et chères sœurs, savez, cela fait chaud au cœur de voir des amis, des proches, mais également des personnes qui ne vous connaissent que de loin, de les voir se mobiliser aussi massivement
pour vous célébrer. Cet après-midi, je vais vous dire que je suis très touché. Très touché par cette marque d'attention. Très touché. Parce que je ne prévoyais pas un tel hommage. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ému. Je vous dis merci. Je vous dis encore merci. Comme on dit en avouré, Vamo. Da, 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 mo. Ari, tu vas mo. Et ma moussine va mo. La mienne, il est bon, 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 bon. Que Dieu vous bénisse. Déjà, dans le courant du mois de février 2021, des consoeurs vivant à l'étranger ont lancé le challenge Élevé Capable. Ce challenge a reçu un accueil tellement favorable qu'aujourd'hui, on peut compter des sections Élevé Capable en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bonoir et dans des villes de l'intérieur du pays, à Boisso, etc., etc. On peut en compter en Afrique. Nous avons des organisations élevées capables qui s'installent en Afrique. On m'en a signalé au Niger, on m'en a signalé au Cameroun, et on m'en a signalé au Congo, etc. Nous avons des sections qui sont en train de s'installer en Europe, en France, en Angleterre, et dans d'autres pays de l'Europe, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, etc. Pendant que ce challenge-là prend de l'ampleur, l'initiative de nommer Simone Days nous a été proposée par Madame Maggie Zombrotte. Une dame que je n'avais jamais croisée et qui sûrement elle-même ne m'a jamais rencontrée auparavant. Elle nous a proposé ce challenge-là. Elle-même est une citoyenne franco-ivoirienne et elle réside en France. Et elle nous a proposé pour Simone Days, deux objectifs. Premièrement, commémorer le troisième anniversaire de ma sortie de prison. Et c'est pour ça qu'elle a proposé la date du 8 août, puisque je suis sorti de prison le 8 août 2018. Deuxièmement, elle propose de baptiser le 8 août Simone Day. Et à cette occasion-là, célébrer tous les 8 août que nous allons compter désormais dans nos vies, ce qui nous en reste et dans les vôtres qui sont à venir, de célébrer la femme leader, pas n'importe quelle femme leader, pas la femme leader en économie, dans l'agriculture, dans le droit, mais la femme leader en politique. La femme leader engagée en politique. Vous voyez que déjà, elle nous met la pression là. Elle vous met la pression. Moi, je peux considérer que j'ai fait ma part, mais elle vous dit que désormais, la femme doit faire de la politique et elle doit s'engager en politique. Voilà.
les deux objectifs majeurs. Et nous voilà ici aujourd'hui, en accord avec cette proposition pour faire une célébration. Je voudrais sincèrement exprimer ma gratitude à Madame Maggie Zombrot, qui est initiatrice de ce concept-là, Simone Day, ainsi que à toute l'équipe de la TV en ligne Pure Média. Ceux qui ont suivi durant la semaine ont vu un petit peu tous les débats qui ont été organisés par Pure Média avec un journaliste que nous avons salué tout à l'heure et que je remercie encore. Je voudrais remercier le comité d'organisation de cette cérémonie. Exprès, mon cabinet et moi avons décidé de mettre les jeunes au défi. Et c'est ainsi que nous avons désigné à la tête de ce comité d'organisation Madame Bintou Ouattara, qui était là tout à l'heure, vous l'avez entendu parler, mais c'est comme ça que moi je mets les gens au défi. On dit, si tu veux apprendre à quelqu'un à nager, il faut le jeter dans la lagune. S'il ne sait pas nager, il va se noyer. Mais comme il n'a pas envie de se noyer, il va se débattre et il va savoir nager. Je voudrais la saluer, la féliciter. Oh, quand on fera le bilan, on dira ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais voilà, nous sommes là. Et c'est le produit de leur travail. Comité d'organisation, soyez remerciés. Je suis ici cet après-midi pour dire que j'approuve cette idée et que je la couvre totalement de ma bénédiction. Je souscris totalement à cette initiative pour deux raisons majeures. Premièrement, nous le savons toutes, nous le savons tous, le 8 août 2018 a été pour moi, mais également pour un grand nombre d'Ivoiriens, un grand jour de joie, un grand jour d'allégresse. Pour mes camarades du parti, ça a été également un grand jour d'allégresse. Mais j'ai pu constater par moi-même que pour toutes les populations ivoiriennes, pour tous les démocrates du monde entier, ce jour-là, du 8 août 2018, a été un grand jour de joie. Durant au moins 3 mois, sinon même un peu plus, les populations de Côte d'Ivoire, j'utilise le mot que quelqu'un va peut-être trouver un peu fort, mais que c'est la réalité. Les populations ont déferlé chez moi sans discontinuer pour m'exprimer leur joie, pour m'exprimer leur plaisir de me voir enfin libéré. Et ils avaient pleuré avec moi 7 années durant. Et puis brusquement, la porte s'était ouverte. Dieu, le Dieu que moi j'appelle le Dieu du tout à coup, soudain, brusquement, avait fait son œuvre et je m'étais trouvé libre, n'est-ce pas, en liberté. Ça a été magnifique. C'est toujours magnifique. Mais, vous voyez, aujourd'hui, quand nous fêtons cet anniversaire-là, nous pouvons revivre ce que ça a été, ce que cela a signifié pour tous les Ivoiriens. On a eu le sentiment que une
tension extrême était tombée et que désormais les populations se sentaient allégées d'un grand souci qu'ils avaient traîné dans leur âme et sur leurs épaules pendant 7 années. Et ma joie aujourd'hui est encore plus grande. Elle est encore plus grande parce que, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, hein, le même Dieu, là, du tout à coup, soudain, brusquement, s'est mis à nouveau à opérer dans ma vie et dans la vie de toute la Côte d'Ivoire. Un soir, alors que j'étais à la prière, dans un temple, on m'a appelé à l'oreille et on m'a dit, Maman, la CPI vient de te libérer. La CPI a annulé ton mandat qui te poursuivait. J'ai dit non, c'est pas vrai. Appelez Maître Dagué. Posez-lui la question. Parce que c'est quand Maître Dagué a parlé que c'est la vérité. On me dit, on a appelé Maître Dagué. Il dit que non seulement c'est vrai, mais que c'est même déjà affiché sur le site de la CPI. J'ai dit, ah, hein. Alors on peut chanter de joie, on peut rire, on peut crier de joie. Amen. Là, bien que j'ai été libéré en 2018, ce mandat m'empêchait de sortir de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi depuis elle est sortie, puis elle ne bouge jamais, elle ne va jamais ailleurs, elle va nulle part, elle est toujours assise ici à Abidjan. Je ne pouvais pas sortir à cause de ce mandat-là. Parce que avec ce mandat, n'importe quel pays, n'importe quel État, n'importe quelle autorité d'un État signataire du statut de Rome là, et donc membre de la CPI pouvait m'arrêter à cause de ce mandat, me prendre, me jeter dans un avion de toute autorité et puis boum, m'expédier à la haie, à la CPI. Et donc, quand je suis sorti de prison, on m'a bien expliqué cela. Et on m'a dit, si tu aimes ta liberté, reste ici en Côte d'Ivoire, tant que ce problème n'est pas réglé. Demandez à Maître Dagué, hein? Il a essayé de régler ce problème. Il est parti à plusieurs reprises à la haie. Il a rencontré les gens de la haie. Mais le dossier était bouclé. Impossible même d'accéder à quelqu'un qui allait même vous montrer les pièces de ce dossier-là. Et puis, brusquement, mais je vous dis brusquement, répétez après moi, brusquement, Dieu. Il a dit, ça suffit comme ça. Et voici donc, nous voici, bénéficiaires de nouveau d'une grâce puissante de Dieu. Mais aussi des hommes. Parce que quand c'est comme ça, il faut saluer les hommes qui ont laissé Dieu toucher leur cœur pour que cette décision-là soit prise et que je sois libéré.
Je rends gloire à Dieu pour cette grâce-là à mon égard. Parce que ça dépasse tout entendement humain. Frères et sœurs, considérons que désormais, je suis délivré de tous les liens prisonnement et séquestration, d'arrestation, de blocage, d'immobilité. Je voudrais dire encore merci à toute la diaspora. La diaspora ivoirienne, elle a été merveilleuse. Je voudrais dire merci aux patriotes du Front populaire ivoirien, mais également aux patriotes de toutes les autres organisations politiques ivoiriennes. Je voudrais dire merci aux hommes et femmes des médias, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux hommes et femmes de prière, à chacun d'entre vous, car votre mobilisation autour de ma cause a fortement contribué à obtenir ma libération totale et la levée du mandat d'arrêt. Vraiment, merci. Yannia, il est venu pour là. Yannia, il est venu. Da. Yannia, il est venu. La deuxième raison de ma totale adhésion au Simone Day est liée à l'idée de primer chaque année une femme leader engagée en politique. Ce n'est un secret pour personne, hein, dans le monde entier et pour ce qui nous concerne dans nos cultures africaines. Les pesanteurs socioculturels existent encore qui réduisent la femme au second plan. Et la femme se trouve, quand je dis la femme, c'est vraiment là, là avec le grand L, hein, article défini, qui précise que je ne parle pas de l'homme, mais je parle de la femme. La femme se trouve encore aujourd'hui agressée par les communautés. Quand il s'agit de la femme, rapidement, on la traite d'ambitieuse. On tente de l'intimider. On tente de la culpabiliser. On la couvre d'insultes. On la couvre d'injures de toutes sortes. La femme se trouve également confrontée à de gros obstacles qui prennent son épanouissement. Elle va avoir des problèmes de scolarisation. Jusqu'à aujourd'hui encore, des parents choisissent entre l'homme et la femme et pour faire pousser le garçon plutôt que la jeune fille. Aujourd'hui encore, les femmes ont des problèmes de promotion. Dans un service, s'il faut promouvoir quelqu'un, on aura plus tendance à promouvoir l'homme au détriment de la femme. Aujourd'hui encore, quand il s'agit de faire des sélections pour choisir quelqu'un qui va vous servir de représentant, on va choisir le garçon, on va laisser la femme. C'est rare, ça arrive, hein, mais c'est rare qu'on choisisse la femme quand il y a des hommes qui sont là et qui font des propositions et qui proposent leur propre dossier. La femme, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, se trouve très souvent immergée dans un complexe d'infériorité. Elle-même, à cause des limitations culturelles, la femme elle-même va s'auto-censurer. Elle va dire, ça là, on t'a donné à un homme. La femme, elle est faite pour donner des conseils sur l'oreiller. Mais vraiment, dans la vie publique, là, on n'a qu'à laisser les hommes. Et donc,
elles-mêmes, elles s'auto-censurent. Et on comprend que, par exemple, aux dernières élections législatives que nous avons connues, il n'y a eu aucun parti, je dis bien aucun parti, qui a été capable de respecter la règle des 30%. 30% de femmes sur liste de candidats. Mais très souvent, parce que les femmes elles-mêmes refusaient de candidater. Femmes, c'est à vous que je parle, hein. Mais ce sont les hommes que j'entends, que je vois remuer la tête. Et je ne vois pas, je n'entends pas les femmes me répondre et me dire qu'elles sont d'accord avec moi. Femmes! Femmes, soyez d'accord avec moi, parce que c'est la réalité que je suis en train de décrire. Tous ces présenteurs socioculturels tuent de véritables forteresses mentales contre lesquelles nous devons nous lever. Or, lutter contre les forteresses mentales est une œuvre de longue haleine. Il nous faudra donc travailler sur la durée. Mais je crois pour ma part que célébrer chaque année le parcours d'excellence et l'engagement politique d'une femme contribuera sans aucun doute à encourager les femmes à être plus participantes de la vie de la nation. On est très heureux, nous autres femmes, nous sommes très heureux de dire ce sont les femmes qui portent la vie. Elles sont importantes parce que c'est elles qui donnent la vie. C'est vrai, hein? Les femmes donnent la vie et on doit les respecter parce qu'elles donnent la vie. Vous voyez, hein? Les femmes portent la vie et on doit les respecter parce qu'elles portent la vie. Mais au-delà de porter la vie, au-delà d'être procréatrice, je voudrais encourager les femmes à être des agents. Des agents de progrès scientifique. Parce que vous savez, les femmes, elles réfléchissent beaucoup pour trouver les solutions scientifiques. Quand il a fallu passer du manioc à la tchèquette, les femmes ont réfléchi pour trouver comment on peut passer du manioc qui pourrit en une semaine là à la tchèquette qui dure, comment on peut passer du manioc au placali, comment on peut passer du manioc à l'amidon, etc., etc. Les femmes sont capables, tu nous commandes aussi, hein? Oui, c'est vrai, il y a le commandé. Ouais. Oui, il y a le docteur Kouma aussi. Donc les femmes sont capables de ça. Les femmes sont capables, ah oui, tu vois, il y a aussi des caries. Mais on peut continuer, hein, vous savez qu'avec le manioc là, on peut fabriquer du gaz qui permet de chauffer nos marmites et de remplacer l'électricité, vous savez ça? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le manioc. Les femmes doivent être des acteurs d'innovation technologique. Je dis souvent que quand vous allez à Korogo, même dans le pays Yakuba, vous trouvez des femmes qui sont en train de fabriquer les fils à tisser à partir du coton. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de la technologie. Ça peut être artisanal. Et puis ça peut devenir industriel, vous voyez? Voilà.
Les femmes sont capables de ça. Elles ont été capables d'inventer ça, de maîtriser cette technologie. Les femmes sont capables, elles doivent être capables d'être des agents de transformation de la nation. Et quand j'arrive à la transformation de la nation, je ne parle pas seulement de la transformation technique, scientifique, technologique, mais je parle également de la transformation des mentalités. La transformation du cœur, la transformation de l'esprit. Parce que ce sont les femmes qui transmettent les valeurs, n'est-ce pas, à la société, à commencer par leurs enfants, mais ensuite elles éduquent leurs maris, et puis ensuite elles éduquent les notables, et puis ensuite elles éduquent le roi lui-même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, répondez fortement. Femmes, vous devez être des agents de transformation des hommes. C'est vous qui devez transformer les hommes. Les hommes écoutent plus quand ce sont les femmes qui leur parlent. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est vrai, hein? Elles doivent être des agents de transformation des femmes. Ça, c'est plus compliqué. Quand une femme, ça va parler à une autre femme, ça, ça devient compliqué. Mais on peut réussir. Les femmes doivent être des agents de transformation du savoir-faire de la communauté, du village. Elles doivent être des agents du savoir-être. Savoir-être, c'est-à-dire comment on doit vivre, comment on doit se comporter dans la société. Femmes, vous devez peser de tout votre poids dans les prises de décision. Mais décision, sur, pas seulement sur les grandes questions, mais vous devez intervenir dans la prise de décision sur les grandes questions, mais également sur les petites questions de la société qui engagent la vie de la nation. Les questions sur la vie de Benoît, sur la vie d'Adiaké, sur la vie d'Abouasso, sur la vie de Maféré. Et je m'arrête là pour continuer de citer, n'est-ce pas? Les femmes doivent, on doit les voir présentes aux côtés des hommes, non pas en concurrent des hommes, mais en complément des hommes. Cette année, vous venez de m'honorer. Je peux dire que cette année, j'ai été honoré. Mais pour les prochaines éditions, le prix Simone Gbagbo que vous venez de me remettre là, le prix Simone Gbagbo de la femme ivoirienne leader engagée en politique, ce prix-là, chaque année, sera attribué à une femme. Pour ce faire, pour réaliser cela, on va arrêter des critères de sélection. Hein? On va arrêter des critères de sélection pour savoir qui. On va sélectionner qui va être méritant. Et puis, on va mettre en place un jury. On va mettre en place un jury qui va choisir. C'est pas les hommes, mais vous souriez beaucoup, ça me fait plaisir. Mais pas les hommes, on va choisir, c'est les femmes. Mon souhait le plus ardent, c'est que cette initiative-là puisse connaître une belle carrière. Et que ce prix aille en se bonifiant. Et que ce prix-là se transmette de génération en génération. Cette première édition de Simone Day a eu pour thème les valeurs de la démocratie dans la vie. La démocratie, c'est vrai, continue d'être un sujet préoccupant dans le monde et en particulier dans notre pays.
vous le savez tous, très tôt, je me suis engagé dans le combat pour une Côte d'Ivoire plus démocratique. Pour le constat que je fais de l'état actuel de la démocratie dans notre pays, je peux affirmer que ce combat-là est encore d'actualité. Il est toujours d'actualité. Il n'est pas encore terminé. Notez avec moi que dans notre pays, les périodes électorales continuent malheureusement d'être des moments de tension, des moments de trouble et même des moments de deuil. Que les conditions de transparence des élections ne sont toujours pas réunies. Que la séparation entre les trois pouvoirs dans un régime démocratique, que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette séparation-là n'est toujours pas effective. Nous constatons ensemble que les médias d'État sont encore totalement caporalisés par le parti au pouvoir. Nous constatons encore que l'insécurité est toujours présente dans notre pays. Nous constatons encore que la justice et la droiture ne sont pas encore totalement au rendez-vous des populations. Nous pouvons constater encore que ce que j'appelle la gestion équitable, c'est-à-dire le fait de gérer de la bonne façon, de la même façon pour tout le monde. La gestion équitable et solidaire des besoins de la population. Elle est encore au stade du slogan de campagne. Mais dans les faits, concrètement, là, ce n'est pas encore bien implémenté. Par exemple, quand on parle de quête d'emploi, on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas équitablement gérées. Quand on parle des prix des produits proposés aux producteurs pour les cultures de rente, on voit que c'est encore dérisoire et que les populations productrices elles-mêmes ne sont pas intégrées au débat pour la fixation des prix. On voit encore que les routes, que les infrastructures routières qui permettraient aux populations productrices des cultures de, n'est-ce pas, ramasser leurs récoltes pour les proposer au lieu où ces récoltes-là sont demandées, eh bien, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent encore pour l'évacuation donc des produits agricoles. C'est une question encore douloureuse. On constate également que la pauvreté plane de la peur dans notre pays, malheureusement. Pendant que les prix des denrées de première nécessité continuent de flamber sur le marché. Or, toutes ces choses-là sont des choses qui mettent à mal la cohésion sociale. Mais tout n'est pas perdu. Hein. Je ne dis pas ça parce que je suis pessimiste. Au contraire, je dis ça parce que moi, je me dis que quand il y a des problèmes, au lieu de les appeler problèmes, moi je les appelle défis à relever. Et donc, n'ayons pas peur et ayons foi à l'avenir. Je vais partager avec vous ma foi en l'avènement d'une société ivoirienne réconciliée, démocratique et prospère. Je voudrais vous inviter de continuer à croire à un futur radieux pour la Côte d'Ivoire. De continuer à nous donner à tous les moyens
de l'avènement de cette Côte d'Ivoire réconciliée. Et c'est pour ça que, à quelques lignes de la fin de mon message, je voudrais encore appeler le président Alassane Ouattara, appeler le gouvernement de Côte d'Ivoire pour qu'il fasse le pas qui va permettre d'apporter l'apaisement total à tous les cœurs des Ivoiriens, en libérant les prisonniers. Les prisonniers sont encore nombreux dans nos prisons. Les prisonniers, je parle des prisonniers politiques, ils sont encore nombreux dans nos prisons. Mon souhait, c'est que ces hommes-là, qui y sont maintenant depuis 10 ans, le général de Gaulle, entre autres, je les cite parce que pour moi, ils représentent tous les autres, qu'on puisse les retrouver en liberté. Comme moi, j'ai pu bénéficier d'une ordonnance d'amnistie qui m'a mise en liberté. Que pour eux également soit pris une amnistie permettant de les mettre en liberté, non pas dans 10 ans, mais maintenant. 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 Que ceux qui sont en exil qui puissent également rentrer chez eux en toute tranquillité. Maintenant. 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 Pour moi, la quête d'une société de justice, d'une société d'équité et de la cohésion sociale demeure de vive actualité. Pour moi, aujourd'hui, c'est une des premières actualités à traiter. Le combat n'est pas terminé, parce que la vie n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée. Et la vie ne sera jamais terminée. Il y aura toujours des combats à mener. Aujourd'hui, le combat portera sur tel point, demain il portera sur un autre point. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que la justice et l'équité lèvent les bras pour libérer les prisonniers qui sont encore dans les geôles de l'État. Nous sommes encore engagés. Je pense que je peux dire à votre place que vous et moi, nous sommes encore engagés. Pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bon développement de la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse Benoît. Que Dieu bénisse tout le Sud-Comoué, mais que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.